Au premier démarrage de la Force d'accueil professionnel, vous avez cet affichage, et ce que je vous conseille de faire vivement, c'est la mise à jour du firmware. Alors pour ce faire, c'est simple, déjà vous allez sur le compte d'accueil professionnel, vous vous créez un compte si vous ne l'avez pas encore créé, et ensuite vous faites register product ici, et vous entrez le numéro de série que vous avez en dessous de votre Force. Une fois que vous avez entré votre numéro de série, vous allez dans include software, et vous voyez qu'on a le Force Firmware Update 301. Donc moi je suis sur Mac, j'ai téléchargé cette application-là sur Windows, ça sera celle-ci. Une fois que vous avez fait ça, vous avez cette fenêtre, on va faire Empty Project ici. Ce qui permet de créer un projet vide. Donc là vous allez aller dans Menu. Vous avez ici, vous voyez ce petit crantage, vous appuyez dessus. Donc là, vous allez lancer l'application. Alors bien évidemment, je ne vous l'ai pas mentionné, mais il faut connecter votre Force à votre ordinateur via un câble USB ou, sinon, mettre une clé USB avec l'application dessus. C'est possible aussi. Donc là, vous avez cette fenêtre, vous faites « Update Force » et il vous dit de le connecter par USB. Et pour démarrer, allez dans les préférences, panel info, donc c'est où on est actuellement, et maintenant d'appuyer sur Shift qui est ici, et ensuite vous appuyez sur Update. Votre Force va se mettre à jour très rapidement, mais c'est essentiel. Alors moi je ne l'ai pas fait en direct vu que je l'ai déjà fait, mais vous voyez que j'ai bien mon firmware à 3.0.1. Parlons maintenant du panneau du haut, du panneau arrière et du panneau avant. Alors je vais commencer par le panneau du haut et vous montrer tout ce que nous avons. Au centre, ici, eh bien, nous avons un écran couleur qui est tactile et multipoint. Multipoint, cela veut dire qu'on va pouvoir, par exemple, dans le cas d'un mixeur, pouvoir bouger simultanément les volumes comme ceci. Nous avons ensuite un bouton menu ici qui nous permet d'ouvrir le menu de la Force. On va pouvoir appuyer sur une option sur l'écran du menu pour entrer dans ce mode, dans cette vue. Nous retrouvons ici le master volume qui nous permet de régler le volume des sorties master gauche et droite, L et R. On a en dessous le bouton Play qui nous permet de lancer la lecture à l'aide de ce bouton. Sur sa droite, on a le bouton Stop qui nous permet d'arrêter la lecture en cours. Par exemple, on pourra appuyer 2 fois sur ce bouton Stop pour arrêter immédiatement tous les sons. Sur sa droite, on a le bouton Rec, Record, qui nous permet de démarrer ou arrêter l'enregistrement. On pourra appuyer sur Shift que l'on a ici et le bouton Rec pour afficher la fenêtre de configuration de l'enregistrement. Shift, Rec. Ici, nous avons le bouton Undo pour annuler. On va pouvoir annuler la dernière action faite. On pourra appuyer sur Shift et ce bouton Undo pour faire un redo, c'est-à-dire pour rétablir la dernière action annulée. On a ensuite le bouton Load pour charger. On va appuyer sur ce bouton pour ouvrir le navigateur où l'on va pouvoir charger un projet, des clips, des instruments, des kits, des samples. Sur sa droite, on a le bouton Save, sauvegarder, qui va nous permettre de sauvegarder notre projet ou notre échantillon ou notre piste ou pour démarrer un nouveau projet à partir de zéro, par exemple. En dessous, nous avons le bouton important Matrix, qui est la matrice. On va pouvoir, en appuyant sur ce bouton, accéder à la vue Matrix. C'est une vue d'ensemble de votre projet avec une vue 8×8 des clips. Justement, sur sa droite, on va avoir le bouton Clip qui va nous ouvrir la vue Clip que l'on a ici, qui fournit des détails plus précis sur un clip. On pourra appuyer sur Shift et Clip pour ouvrir la track Edit. Voilà, pour rentrer en édition de la vue de la piste, où on va pouvoir éditer des paramètres de piste, de batterie par exemple, de plugins ici avec le Hype, de MIDI également ou de CV. On va retrouver ici le bouton mixeur qui donne un accès à la vue mixeur où on va pouvoir contrôler le volume, mais aussi les panoramiques, mais également les sends, envois, les inserts également ici. Quand on utilisera une piste de batterie, on pourra appuyer sur Shift et mixeur pour ouvrir la vue pad mixeur où on pourra contrôler le volume, les différents contrôles de panoramique et d'envoi de chaque pad, ainsi que l'ajout d'effets d'insertion du plugin. Nous avons ensuite le bouton Navigate pour naviguer. Quand on appuie sur ce bouton, on va pouvoir ouvrir la vue navigateur qui nous donne une vue d'ensemble du projet entier. On pourra appuyer sur une section pour accéder directement à la vue Matrix, par exemple, de cette vue, ou utiliser les curseurs pour déplacer la vue Matrix. Donc ici, vous voyez, j'ai mon curseur où je peux aisément me déplacer, mais je peux venir aussi cliquer sur l'écran directement. Et ici, nous avons les curseurs qui vont nous aider à nous déplacer dans la vue matrice et dans les pads, par exemple, d'une ligne ou d'une colonne à la fois. Et vers le haut, vers le bas, sur la droite et sur la gauche. On a ici le bouton Shift qui est très important. On va pouvoir maintenir enfoncé ce bouton et accéder aux fonctions secondaires de certains boutons et modes d'affichage. On retrouve ici la molette, la data dial comme on l'appelle aussi. Et le fait de tourner cette molette pourra nous faire défiler les options de menu disponibles, par exemple, ou ajuster les valeurs des paramètres du champ sélectionné à l'écran. Tout simplement, si je pars sur un mixeur et sur le volume, vous voyez que je peux aussi venir le régler avec cette dial data. Également, cette molette et poussoir, on peut appuyer dessus pour valider par exemple une fonction, ou comme ici, vous voyez, pour l'avoir au centre de l'écran en plus grand. C'est en quelque sorte, comme on pourrait comparer ça à la touche Entrée. Si on appuie sur Shift et que l'on tourne cette dial data, on va pouvoir ajuster les paramètres bien plus finement. Vous voyez que mon volume, là, je l'ajuste vraiment finement. On va retrouver deux boutons plus et moins ici. Pareil, qui vont nous servir à augmenter ou diminuer la valeur du champ sélectionné à l'écran. Donc, je peux aussi augmenter, là, par exemple, mon volume et le diminuer. Juste en dessous, nous avons deux boutons, le Assigne A et le Assigne B. Ça va nous permettre, par exemple, d'attribuer la piste correspondante au groupe du crossfader qu'on a juste en dessous, A ou B. Donc on pourra assigner une piste en A et puis par exemple une autre piste en B et ensuite pouvoir passer d'une piste à l'autre avec ce crossfader. En appuyant sur Shift et sur l'un des boutons, on pourra effacer les assignations. Juste en dessous, justement, eh bien, nous avons le crossfader qui va nous permettre eh bien, de mixer des clips affectés au groupe A et au groupe B. Ici, en dessous, nous avons 8 boutons assignables. Alors, ils vont être utiles pour contrôler, eh bien, par exemple, le panoramique, les niveaux d'envoi des pistes ou d'autres paramètres assignables par l'utilisateur. On verra plus tard que c'est vraiment, on peut customiser tout ça. Nous aurons également une bande en dessus de chaque bouton qui nous indique le paramètre qu'il contrôle et sa valeur ou son réglage actuel. Là, vous voyez, je vois mon volume. Et ici, le volume de ma piste audio, par exemple. Nous avons ici le bouton knob, où on va pouvoir alterner entre deux banques de boutons pour le mode actuel, par exemple. Donc on va avoir, vous voyez, knob 1 à 8, et on pourra passer de 9 à 16, par exemple. Également, si on maintient ce bouton, vous voyez qu'on pourra, à l'écran, passer rapidement eh bien, du réglage des volumes au panoramique, au send, 1, 2, 3, 4, au projet, au track et au screen. On pourra également appuyer sur Shift et Knob, ici, qui nous permet d'ouvrir le mode Knob, dans lequel on pourra modifier les affectations des boutons. Ici, eh bien, nous avons nos pads qui vont nous servir à lancer des clips. Ils sont sensibles à la vélocité. C'est un 8×8, donc 64 pads pour lancer des clips, pour jouer des notes également, et bien plus de choses. Nous le découvrirons un petit peu plus tard. Ici, sur la droite, nous avons des boutons qui s'appellent Launch. Donc, c'est pour lancer les scènes. C'est-à-dire que quand on appuiera sur Launch, eh bien, ça lancera tous les clips qui font partie de cette ligne. Si j'appuie sur le deuxième, eh bien, ça sera tous les clips de cette deuxième ligne, troisième, etc. On pourra appuyer sur le bouton Edit ici et Launch. Alors, je vais me mettre en mode Matrix. Voilà. Edit. Et là, on peut, vous voyez, venir ici et insérer une ligne directement. Alors, on a différentes options. Hein. Je vais prendre insérer, par exemple. Sur la gauche, ici, nous avons le bouton Launch et en dessous, c'est écrit Config. Donc, si on appuie sur ce bouton, on va pouvoir régler les pads de lancement de clip en mode de lancement. Avec ce mode de lancement, chaque pad représente un seul emplacement de clip. Les 8 colonnes représentent les 8 pistes, tandis que les 8 lignes représentent les 8 scènes. On va pouvoir lancer les scènes entières en appuyant, on l'a vu, sur les boutons Launch, situés à droite des clips. On pourra également appuyer sur Shift pour configurer les paramètres du mode de lancement. Donc Shift et Launch. En dessous, eh bien, nous avons le bouton Note Config. Donc, on va appuyer sur bouton pour régler les pads de lancement de clip en mode Note. En mode Note, on va pouvoir utiliser les pads pour jouer une gamme, par exemple, configurable de notes MIDI. On va pouvoir également utiliser une piste qu'on appelle Key Group, ou une piste plugins, ou une piste MIDI, ou une piste CV. On va maintenir ce bouton enfoncé pour sélectionner les différents modes. Donc là, je suis passé sur ma piste 1. Je suis en mode note. Si on fait un appui long sur note, on va pouvoir régler, vous voyez, avec le note mode, différentes fonctions que l'on verra plus tard dans le détail, hein, les gammes chromatiques, scale, harmonize, faire des accords, des progressions d'accords, un mode piano, guitare, basse. Ça, c'est très très sympa, vous verrez. Quand on sera sur une piste drums, en maintenant le bouton note appuyé, eh bien, on pourra régler, par exemple, la répétition de notes, ou la division temporelle, par exemple. On pourra également appuyer sur Shift et Note pour entrer en note config ici, avec pareil, choix du type de gamme, la route note, les octaves, les padrons, le scale, majeur, mineur, etc. et la vélocité également. En dessous, eh bien, on va avoir l'accès au step séquenceur. Et en fait, on va avoir trois vues. Vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur step séquenceur, j'ai différentes vues. Donc là, la vue drums, la vue mélodique et la vue lane. Donc on reparlera de ces trois modes un peu plus tard. Quand on maintient enfoncé le bouton, vous voyez qu'on a le step sec mode, soit drums, mélodique et lane ici. On pourra faire un appui long sur ce bouton pour passer en step sec mode. Et là, eh bien, on aura par exemple la possibilité de modifier la taille des pas, des steps. On pourra également faire Shift et Step Sec pour rentrer dans la configuration du step séquenceur où l'on aura bien plus d'options. On va avoir ensuite une suite de boutons Select, Edit, Copy et Delete. Donc on pourra maintenir enfoncé un de ces boutons pour éditer un clip ou une piste par exemple. On aura le Select. Donc si je maintiens le bouton Select, je vais venir pouvoir choisir un clip, par exemple. Select, hop, je choisis ce clip. Ou on peut venir choisir une piste, donc la piste 4 ou la piste 2 ici, vu que j'ai que deux pistes. Vous voyez, en maintenant le bouton Select. On aura le bouton Edit, lui, qui va nous permettre d'éditer... Hop, voyez, un clip. Donc là, je suis en clip settings avec les settings générales, le nom du plugin, la couleur de la piste, le mode de déclenchement, ici. Alors, je vais créer une autre piste audio. Et par exemple, pour copier ce clip sur cette piste, eh bien, c'est tout simple. On appuie sur Copy, on sélectionne le clip et hop, on va le copier-coller directement ici. Vous avez vu avec quelle facilité on peut effectuer l'opération. On aura ensuite le bouton Delete pour supprimer. Donc on le maintient et on appuie. Ça a supprimé le clip que j'avais précédemment copié. On a ensuite le bouton Harp pour arpégiateur. Donc on va pouvoir activer ou désactiver l'arpégiateur interne de la Force, qui est lui-même basé, on va dire, sur les paramètres de tempo, bien évidemment, et de division du temps. On pourra faire Shift et Harp pour configurer l'arpégiateur. En dessous, on a un bouton Tape Tempo, donc on va pouvoir définir le tempo en le tapant ici. 1, 2, 3, 4. Ou plus rapide, vous voyez que mon tempo est là. Hein. 1, 2, 3, 4. Voilà, 133,33. C'est pas mal. On pourra également appuyer sur Shift et Type Tempo pour là régler le tempo directement sans avoir besoin de le taper avec le Type Tempo. On a ici, vous voyez, les boutons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui vont être des boutons de sélecteur de pistes. Donc on va pouvoir, comme ceci, rapidement sélectionner une de nos pistes, représentée encore une fois hein, par les 8 colonne de clip située juste en dessus. On a un bouton tout à droite ici qui est intitulé Master pour sélectionner tout simplement la piste Master. On pourra également, grâce encore une fois à la touche Shift, vous voyez, sélectionner ce qui est en dessous, c'est-à-dire c'est les valeurs de quantification. None, 8 mesures, 8 bars, 4 mesures, 2 mesures, 1 mesure, un 4, c'est à la noire, un 8, c'est à la croche, un 16, c'est à la double croche. Ce bouton Master, hein, j'y reviens, il nous permettra d'afficher le canal Master et vous voyez ici Return également. On va avoir ici les 4 touches qui sont des touches du mode d'assignation. Donc on va pouvoir appuyer sur l'une de ces touches pour définir la fonction des touches d'assignation de piste. Par exemple, mute, eh bien, on va appuyer sur cette touche pour couper le son d'une piste. la muter. Inversement, on va pouvoir mettre en solo une piste. On va pouvoir armer l'enregistrement. Vous voyez, je peux armer mes pistes en enregistrement. Et enfin, on a un clip stop ici. On va pouvoir appuyer sur ce bouton pour arrêter un clip en cours de lecture dans la piste. Ici, nous avons également des boutons qu'on appelle track assign, qui vont nous permettre d'appliquer une assignation à une piste, représentée encore une fois par la colonne de clip située juste en dessus. On va pouvoir utiliser ces boutons pour définir la fonction d'assignation. Donc ici, vous voyez. Et si on appuie sur Shift, eh bien je vais avoir le mode Quantize, quantification. Le lymph, ça va être la longueur du clip. Double pour doubler. Clear Automation pour supprimer les automations. Métronome pour activer le métronome. Et TC pour le time stretching ou le timing correct, comme on l'appelle ici. Également, on aura un octave en dessous et un octave au-dessus, directement accessible ici. Enfin, nous aurons le Stop All ici qui va nous permettre d'arrêter tous les clips quand ils arrivent à leur fin.